Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Didi Froggy. Didi Froggy, tout d'abord, euh, ben écoutez, on va commencer par un premier message de solidarité. Parce que par les temps qui courent, bien sûr, ben, je vais renouveler euh, euh, l'envoi de beaucoup d'énergie et beaucoup de courage à toutes les professions qui sont durement touchées par la crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis plus d'un an. Voilà, donc une pensée, bien sûr, pour tous les, les Digi. Jeunes et moins jeunes, pour tous les traiteurs, salles de réception, les gîtes, les hôtels, les restaurants, les discothèques bien sûr. Puisque maintenant, voilà, ça fait plus d'un an que, que beaucoup subissent cette crise sanitaire de plein fouet. Donc euh, ben voilà, message de soutien pour toutes ces professions, sans oublier bien sûr les photographes, l'événementiel, enfin bon. Vous avez compris, je pense, le message. Cependant, aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette vidéo pour vous parler à nouveau du DMX Go et notamment de pouvoir le piloter. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une précédente vidéo dans laquelle je vous montrais un petit peu le, le DMX Go couplé avec un launchpad, ce qui marchait plutôt pas mal. Et puis il y a bien sûr aussi la solution du iCai MPC euh, Mini qui fonctionne aussi plutôt bien puisque le mappage est par défaut. Euh, moi, j'ai décidé de faire autrement, euh, je suis passé par ceci, le Arturia bitstep. Alors pourquoi le Arturia bitstep Parce que tout d'abord euh, ben, c'est un contrôleur midi bien sûr. Euh, donc forcément ben, ça va nous intéresser pour lancer donc les, les notes midi vers le DMX go. Euh, L'autre point, c'est que c'est euh, un peu plus mixte puisque ça va servir aussi pour euh, bah, les applications musicales. Donc ça me permettra de l'utiliser aussi bien dans le studio que pour les sorties, euh, pour régler les lumières sur les, euh, les sorties extérieures sonos. Euh, c'est assez complet. Donc c'est un petit contrôleur MIDI, donc je vous le montre. Oups, désolé pour le micro. Et ici, 16 pads avec bien sûr des encodeurs et une molette générale. Oups, à nouveau le micro. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait avec ça. Donc, on va changer d'orientation caméra et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai euh, euh, ben mis en place avec ça. Alors, ça a été un petit peu fastidieux parce qu'il a fallu retrouver les, les bonnes notes euh, du contrôleur. Euh, si vous avez des questions pour faire du mappage de ce genre, je pourrais essayer de vous aider. Euh, mais euh, le mode d'emploi en fait euh, qui est euh, disponible sur Internet, notamment pour le DMX Go, euh, n'indique pas forcément euh, toutes les bonnes adresses. Donc c'est un petit peu compliqué. Euh, donc voilà. Donc euh, on se retrouve tout de suite pour la suite sur le contrôleur. Bien voilà. Donc on se retrouve avec le Arturia Beatstep Sequencer. Bien sûr notre iPad avec DMX Go. Donc je vais lancer l'application. Alors, chose importante, on n'oublie pas qu'on a besoin d'un kit de caméra connexion. Alors, pour ma part, moi, j'utilise un kit un peu différent, puisqu'ici, en fait, euh, bah, c'est le kit double, vous savez, celui qui contient aussi l'alimentation de l'iPad donc ça ça va être important parce que ça c'est quand même assez consommateur en termes d'énergie donc si vous utilisez ça directement avec un connecteur caméra sans celui qui a la prise d'alimentation à mon avis en moins d'une demi-heure je pense que votre iPad il, il, il aura plus de pile donc ce sera pas ce sera pas tiré plus de batterie ça veut dire plus d'application et donc plus de DMX donc c'est pas, pas génial donc, je vous montrerai un petit peu après comment j'ai fait la programmation par rapport au, au midi sur, sur donc le, le Arturia Beatstep Sequencer euh, parce que ça a été un peu fastidieux, il a fallu retrouver, je vous l'expliquais, euh, toutes les, les notes euh, pour pouvoir le, le, le piloter. Donc, je vous expliquerai ça juste après dans la vidéo suivante. Donc, je vais le, bien sûr le connecter. Donc, en fait, par défaut, la mémoire euh, du Beatstep Sequencer va retrouver en fait ce que je lui ai mis en mémoire. On a deux modes. On a un mode séquenceur et un mode contrôleur. Donc ce qui va nous intéresser là, pour le DMX Go, c'est la partie contrôleur. Donc quand j'appuie sur le 1 ici, ça lance ma séquence 1, séquence 2, séquence 3, le preset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La seule particularité sur le BeatTab Sequencer, c'est que vous voyez toutes les pads s'allument en rouge. Et seul le dernier pad que je viens d'utiliser reste euh, ici euh, éteint. Donc c'est la dernière séquence. J'essaie je de bouger un peu la caméra. Qui, euh, qui donc reste éteint. Si là je refais un, tout le reste est allumé et c'est le 1 en fait qui est actionné. C'est juste inversé en fait en termes de LED. Mais ce n'est pas vraiment pas grand chose. Donc là je retrouve mes 16 séquences. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu aussi, ici, avec le grand de, la grosse molette, régler le preset du main master, c'est-à-dire celui de l'allumage principal. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, on va bouger un peu la caméra. Vous voyez, quand je suis ici, je retrouve le master qui bouge. Ensuite, ici, sur les cinq premiers knobs, on va aller dans les subs. Hop Ici, je prends mes subs 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi j'ai 5 subs. J'ai tous mes subs ici qui sont réglables par les, les molettes de contrôle MIDI. Donc, là, je retrouve l'intensité lumineuse de tous mes subs sur euh, les petites molettes. Alors, le seul qu'on ne peut pas piloter pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé l'adressage, c'est le strobe qui est là. Sachant que dans tout ça, vous pouvez bien sûr déterminer d'avoir euh, bah, une touche pour le strop par exemple et une touche pour le blackout hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, moi j'ai préféré conserver les 16 pads pour mes 16 premiers presets. Il euh, ne faut pas oublier que dans votre DMX Go, vous avez 50 presets. Là, l'idée c'est de pouvoir lancer tout de suite de manière beaucoup plus rapide les 16 premiers presets. Et après d'accéder en effet à tout ce qui est contrôleur euh, principaux. Donc ici notamment l'intensité lumineuse du master, ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc, c'est très réactif, ça marche vraiment très très bien en passant par le câble MIDI. Et on se retrouve sur l'ordinateur tout de suite pour la programmation. Bien, donc on se retrouve maintenant sur euh, l'ordinateur concernant donc, la programmation d'Arturia. Alors, on voit ici, c'est euh, bah mon Minilab MK2 hein, qui, euh, qui s'installe par défaut puisque je n'ai pas encore branché le, le b -step, ce que je vais faire tout de suite. Et vous allez voir, c'est assez simple. Alors, ce qui est très très bien chez Arturia, c'est qu'en fait, vous avez des éléments qui sont auto-détectés par euh, le contrôle MIDI Device. Donc, c'est un petit programme en fait qui vous permet d'aller chercher vos différents éléments. Donc, là, je vais sélectionner mon bitstep qui est connecté. On le voit ici. Et en fait, vous bah, voyez ici, moi, en fait, je l'avais juste appelé test. C'est ici que j'ai rentré donc les. Les, les différents contrôles et les différentes notes que j'ai désiré euh, assigner au, au contrôleur bitstep. Une fois que vous avez fait ça, vous le sauvegardez bien sûr et vous avez juste à le glisser déposer dans la mémoire. Et par défaut, lorsque vous lancez votre bitstep, eh ben, il aura tout simplement les, les, les bonnes notes qui seront, euh, qui seront lancées. Donc si je prends ici par exemple euh, la grosse molette de contrôle qu'on a vu tout à l'heure qui nous servait en fait à... Euh, donc euh, piloter l'éclairage, euh, l'intensité lumineuse du master est ici. Vous voyez qu'il est en CC56. Alors ça, ça correspond bizarrement, euh, assez correctement au, euh, au mode d'emploi euh, délivré par le DMX Go. Par contre, après, vous voyez bah, ici, en fait, la midi-note euh, pour euh, la séquence 1, le preset 1, c'est le G-0. Voilà, donc euh, toutes les notes sont ici. Donc si vous voulez par contre que je vous redonne les notes à l'occasion, bah, vous m'envoyez un petit message en privé sur la chaîne YouTube et je vous redonnerai l'intégralité des, des notes que j'utilise par rapport à ça. Et puis bah, mes 5 subs, ils sont ici. Donc euh, ce que j'ai fait par contre, c'est que la rotation ici euh, du... Euh du, du, du petit euh, bouton rotatif est en absolu, c'est-à-dire que bon bah, vous le tournez en fait et il est en valeur, euh, il tourne dans, il tourne à 360 degrés euh, en, en augmentant ou en baissant les valeurs dès que vous commencez à le tourner, il, il joue sur les valeurs. Voilà donc ça c'est euh, la séquence midi que j'utilise. Autre chose aussi que j'ai commencé à mettre en place, on parlait euh, tout à l'heure du fait que le beatstep c'est non seulement un contrôleur midi mais c'est aussi un séquenceur. Donc en termes de musique, ça sert en fait à créer des, 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 des séquences sur 16 temps. Euh, alors les notes bizarrement utilisées par euh, le DMX Go sont assez basses, c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, euh, ben, si les notes avaient été un peu plus hautes, vous voyez ici on a en fait euh, on peut aligner des notes dans une séquence. Ce qui veut dire que logiquement euh, on peut se servir du séquenceur pour lancer. Une séquence qui va reprendre en fait les différents presets. Alors actuellement, moi ça fonctionne déjà sauf que ça fonctionne pas vis-à-vis euh, -vis des presets, ça fonctionne vis-à-vis -vis des notes en fait qui sont euh, assignées dans le DMX Go pour les changements de rotation et les changements de couleur. Donc, euh, alors ça permet de moduler des choses. Hein. Après, le problème c'est qu'il faudra en effet connaître les notes par coeur pour pouvoir euh, les, euh, les, euh, les mettre en place directement dans, dans la séquence au bon endroit et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, bah écoutez, c'est quelque chose que je creuse encore, mais dès que j'aurai obtenu un, un semi-résultat, je pense que je vous referai une petite vidéo là-dessus par rapport à des séquences qui feraient euh, des alignements soit de presets, soit de différents, voilà, de, de différents mouvements ou différentes couleurs. Ce qui peut être assez intéressant hein, parce que ça, c'est vrai que c'est quand même l'un des gros gros manques qu'on a euh, actuellement dans le DMX Go, c'est-à-dire qu'on a tous nos presets. On n'a pas forcément en fait d'enchaînement de valeurs comme le font d'autres programmes de, de DMX classiques. Voilà. Bon, en tout cas, euh, merci à tous pour euh, ben, votre fidélité. Et puis euh, on n'oublie pas de partager bien sûr la page YouTube. On n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.